Allez, madame, c'est vous qui avez donné les 12 euros pour Léa? Pour la sortie, oui. Je suis désolée, mais je fais pas la manche. Non, mais j'ai fait ça pour Mona, parce que la sortie sans sa copine, ça faisait tout un drame. Je vous ai rien demandé. Nous voyons maintenant madame Ersan Céline. Bonjour, madame. Bonjour. Vous connaissez le montant de votre endettement? C'est dingue quand même de t'être retrouvée en face de cette fille comme ça, non? Elle m'a raconté ce que t'as fait. C'est bien. Vous n'avez pas incité madame à ne pas payer ses dettes. Vous m'obligez à vous dessaisir du dossier et à lancer une procédure disciplinaire contre vous. Vous croyez pas qu'on a autre chose à faire? Que faire notre métier? Non, je crois pas. Vous commencez mal, chère madame. Il y a 10 ans, j'en ai rendu des tas de jugements comme vous. Tout se retoquait. Le crédit, c'est la consommation. Et la consommation, c'est le système. On touche pas. Je peux pas laisser tomber cette femme. On a le résultat de votre IRM. Vous voyez cette tache blanche, là? Ça, on peut pas toucher. Il me reste combien de temps? 1 an, c'est possible. Je souffle pas? Je crois pas, non. Sur ce contrat-là, maître, vous avez écrit « céder à toutes vos envies ». Il est où, le taux? Là. C'est écrit petit, quand même. Hein? Vous nous demandez d'informer nos clients. Ils s'en foutent d'être informés. Les sociétés de crédit sont en ébullition. Un bazar, je vous dis. Putain, j'y croyais plus. Ça fait des années que j'attends ça. Merci. J'aurais pas fait la moitié de ce que je voulais faire. Qu'on fasse vite, maintenant. Et je veux pas entendre, ils vont plus vite, ils sont plus forts. La différence, elle est pas là, vous le savez très bien. Ce que je veux maintenant, c'est voir votre engagement. J'ai adoré ça, vous rencontrer.